Voilà. Le pupitre est un peu plus pratique, un peu plus bas. Monsieur le doyen, mes très chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier sincèrement de votre confiance, vous dire ma fierté, qui est grande, et je mesure ma responsabilité, qui ne l'est pas moins. Une responsabilité qui m'honore dans le même temps qu'elle m'oblige vis-à-vis de vous tous. Car c'est un collectif qui m'a porté jusqu'à ce jour où j'ai eu l'honneur de solliciter votre soutien. C'est un collectif élargi à notre Assemblée qui m'a porté à la présidence de notre institution. Et c'est votre collectif qui guidera mon action pendant les 5 prochaines années. L'action collective sera ma méthode, l'action collective sera mon devoir, mais l'action collective, c'est également une demande que je vous adresse aujourd'hui. Je ne me vois pas en effet comme un président effectuant son mandat en solitaire. Ce n'est pas ma personnalité et ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Tout simplement parce que la mission à accomplir n'est pas et ne pas être le défi d'un homme seul. Cette mission, c'est la réhabilitation du CESE au cœur de nos institutions et de la société française. Nous sommes 233 conseillers de profils, de convictions et d'horizons différents, des esprits indépendants, de fervents défenseurs de la société civile, des militants du dialogue constructif. Je tiens à cet égard à saluer nos deux collègues, Jean-Paul Delevoye et Gérard Schieri. Jean-Paul, le serveur de la République, Gérard, le syndicaliste passionné, sont à votre image, mes chers collègues, des modèles d'engagement. Alors, je vais reprendre là où j'en étais. Je vous disais qu'ils étaient des modèles d'engagement et je le partage totalement. Ils sont chacun, à sa manière, des figures du Conseil. Ils portaient dans cette élection des messages qui méritaient d'être écoutés. Ce qui est clair, au-delà des parcours et des options différentes, c'est que nous avons une conviction commune sans laquelle nous ne serions pas là. Nous croyons dans le Conseil économique, social et environnemental. Et nous avons choisi de nous y engager. Et ce, dans une période où il est plutôt dans l'air du temps de le railler, de le dénigrer. Nous saurons, j'en suis persuadé, faire taire ces critiques. Car ce que je vous propose, chers collègues, c'est de nous mobiliser tous ensemble pour mettre le CESE au service du renouveau démocratique de notre pays. Et croyez bien que je serai à votre service et au service de cette ambition collective durant le mandat qui s'ouvre. Et puisqu'il y a urgence, puisque notre pays n'a jamais eu autant besoin de dialogue et d'apaisement, jamais eu autant besoin de suivre les voies du consensus, je vous propose qu'on se mette au travail le plus rapidement possible, en commençant par constituer notre bureau dès cet après-midi. Il représentera l'ensemble des sensibilités de notre Assemblée, sans majorité, sans opposition, mais avec uniquement des partisans d'un CESE mobilisé au service de notre démocratie, du progrès et de l'intérêt général. Nous consacrerons par ailleurs l'une de nos toutes prochaines assemblées plénières à une réflexion sur les axes stratégiques de la prochaine mandature. Il faut en effet nous replacer au cœur des débats qui traversent notre pays pour lever les blocages de notre société. Et la voix du CESE portera d'autant plus haut et loin qu'elle s'exprimera sur les sujets prioritaires pour notre nation, et ce, au moment précis où sont prises les décisions, pas avant, pas après. Plutôt pas trop tard, pas après. Avant, c'est plutôt une bonne chose. C'est justement pour cette raison que, sans plus attendre, je solliciterai très vite audience auprès du président de la République, des présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et de tous nos autres partenaires institutionnels. Pour évoquer cette place centrale du CESE,
et à travers lui de la société civile dans les prises de décision ainsi que la façon d'y parvenir. Je vais par ailleurs très rapidement proposer une réunion aux membres du bureau ainsi qu'aux présidents de section et de groupe. Ma volonté est d'enclencher immédiatement la mise en œuvre du projet que j'ai représenté et notamment de travailler aux améliorations de gouvernance. J'ajoute que je rencontrerai dès jeudi l'ensemble du personnel du CESE. Je sais son attachement à cette institution et son indispensable implication dans nos travaux. Cette mobilisation que je vous propose, j'aimerais qu'elle soit d'intensité égale au Palais Diana et à l'extérieur. Saisissez toutes les occasions de faire la pédagogie de nos avis. Encouragez vos organisations respectives à se les approprier. Soyez les ambassadeurs du CESE. Je voudrais, pour terminer, partager avec vous un souvenir personnel. Nous sommes tous ici parce qu'un jour, dans notre existence, nous avons eu envie de nous engager pour un collectif. Pour moi, ce moment fondateur se situe au début des années 90. Je dirigeais alors la petite entreprise familiale. Nous connaissions une crise majeure qui mettait en question l'avenir de l'entreprise et de ses emplois. J'ai alors compris qu'on ne s'en sortirait que collectivement. Et il me manque une page de fin, mais ce n'est pas grave. Elle a été perdue. Alors je vais l'improviser, ce n'est pas très grave. Je me souviens juste d'une phrase. Extrêmement... Merci, Bernard. Merci dans l'émotion. Bon. Évidemment, dans ces moments de remise en question difficile, je garde en tête les paroles de mon père, qui à l'époque m'a dit, fondateur de l'entreprise, « Si tu perds le lien social, tu perds tout. » Voilà le fil conducteur qui a guidé mes engagements depuis ce jour et qui m'amène devant vous aujourd'hui. Monsieur le doyen, merci Jean-Pierre d'avoir animé cette séance inaugurale d'un moment décisif pour le CESE. Merci encore à vous pour tous pour votre confiance. Je vous dois d'en être digne. Je vous remercie de votre attention.